something I wrote in a sketchbook was de tous les plaisirs, le fruit de mon travail est le plus doux. Which is of all pleasures, the fruit of my work is the sweetest. Qu'est-ce qu'on fait comme objet à Verglas? Ben, on fait pas mal, on fait principalement des luminaires bien travaillés, bien pensés, bien dessinés, travail fin, de qualité. On fait des objets de décoration pour le jardin, un petit peu d'objets utilitaires comme des gammes de gobelets. Avant tout, on essaie de se faire plaisir aussi, dans la création et dans le soufflage de verre. Peu le côté adrénaline qu'il y a, parce qu'on se lance dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On est un peu quelque part comme un jongleur en fait. C'est une performance en fait quand on commence quelque chose. C'est un peu aussi comme marcher sur un fil. Tout peut tomber à n'importe quel moment. Donc on se lance, ça dure une demi-heure, une heure, deux heures, ça peut aller jusqu'à 5 heures de travail. Et c'est vrai que jusqu'à la dernière minute, tout peut tomber par terre quoi. Mais c'est comme la vie, on contrôle certaines choses, mais on ne contrôle pas tout. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Ouais. In a way, it was kind of my guiding line, you know, like it was something that I knew kind of instinctively that I had to hang on to this, you know, and not give up. I just knew it was going to be the thing that was going to keep me kind of focused all of my life. I can't see anything, you know, like when I've got the cut out of the light, but I can't see the details. When you're getting into the process and it's going well and you're seeing something that you want to make and it's actually looking pretty good, you know, and it's close to how you imagine, well, you just throw your whole body into it, you know, and you suffer after. It's just, you just chuck yourself in and you don't feel anything until after. You don't burn, you don't feel anything, you just go for it and you're just determined to get that thing finished. Par exemple, sur la série de bouées que j'ai fait, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu et qui semble impossible un peu sur le papier. Mais voilà, c'est un défi que j'ai voulu tenter, j'en ai cassé plusieurs, mais voilà, j'ai réussi. Pour la plupart des gens, ça paraît presque anodin, mais d'un point de vue technique, c'est quand même assez compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas de centre. Et voilà, donc je suis assez fier de choses qui, comme ça, quoi. J'ai réussi, grâce à Verglas, à réaliser pas mal de mes rêves, des pièces que j'avais envie de faire, d'améliorer mon savoir-faire. Et maintenant, ce qui serait chouette, c'est de continuer et d'approfondir la transmission, en fait, parce que c'est un métier, des gestes qu'on véhicule depuis, des gestes qui nous viennent de 1000 ans en arrière, de 2000 ans en arrière. Et c'est des choses qu'il faut continuer à, je pense, à transmettre pour les générations futures. Ça va rester. Ça va devenir un petit peu de plus en plus difficile avec les défis que l'humanité a en ce moment. Problème d'énergie, de coût de l'énergie, etc.
mais j'ai bon espoir que les verriers continuent à souffler du verre.